Bienvenue à l'émission. Cette semaine, à Portrait d'artiste, nous recevons une artiste un peu méconnue, mais combien talentueuse, Madame Julie Roy. Bonjour, Julie. Bonjour, Michel. Pour la première fois cette émission, je ne sais pas trop comment aborder l'entrevue. Julie Roy, vous avez beaucoup de talent. Vous êtes terriblement discrète, par contre. Malgré plusieurs bonnes expositions, les gens vous connaissent très peu. Est-ce que c'est une situation que vous provoquez un peu ou est-ce un manque de disponibilité? C'est vrai que je suis très occupée, mais aussi, je pense que vous faites allusion à des symposiums ou des choses comme ça. Un petit peu. C'est des choses avec lesquelles je suis peut-être un petit peu moins à l'aise, beaucoup plus à l'aise de travailler dans mon atelier parce que quand je peins, je suis vraiment dans ma bulle. Et puis, il ne faut pas me déranger, je ne réponds pas au téléphone ordinairement. Je suis vraiment partie dans mon monde, là, puis il ne faut pas me déconcentrer. Fait que faire des symposiums, pour moi, avoir du monde tout le tour qui me regarde travailler, là, ça me déconcentre, puis je ne suis pas à l'aise avec ça. Vous avez une discipline de travail? Vous travaillez à tous les jours? Ah oui, ou... tous les jours. Bien, en fait, depuis le mois de mai, là, je suis à plein temps là, à peindre. Et puis, c'est ça, là, je fais ça là, vraiment tous les jours. Je me lève très tôt le matin, souvent avant le soleil, parce que je peins mieux le matin. Oui, je suis très, très reposée le matin. Souvent, je me lève puis j'ai une idée ou je me lève avec... Je ne sais pas si j'ai rêvé à ça ou... Mais vraiment, le matin, là, c'est vraiment le moment que je préfère. La lumière est bonne aussi. Oui, aussi, là. Ça, c'est... Fait que j'aime mieux travailler avec la lumière naturelle plutôt qu'avec des lumières artificielles. C'est sûr que l'hiver, les heures de lumière sont raccourcies. Là. Fait que faut que je travaille avec des lumières artificielles, mais j'aime mieux la lumière naturelle. Vous êtes bien installée, vous avez un bon atelier. Oui. C'est pas très grand encore, là, puis c'est sûr que dans mon optique, d'ici une couple d'années, là, j'aimerais peut-être agrandir ça, là. Je travaille dans un espace un petit peu plus restreint, mais au moins j'ai mon petit coin, puis ça travaille très, très bien. Julie, vous avez un style un peu particulier, une tendance, on pourrait dire, entre surréalisme, lyrisme et même contemplisme moderne. Comment vous décrivez-vous, vous, en tant qu'artiste? Moi, je décrirais plutôt expressionniste puis sur le bord du naïf un peu, pour certaines pièces. Là. C'est comme ça que je pourrais décrire mon style. Là. Et d'où vous viennent vos sujets? Ah, de partout. De partout. Je suis en train de vous parler. J'ai rencontré tantôt un technicien qui m'a inspiré beaucoup. Je rencontre des gens au restaurant, dans plein d'activités. Je vais voir des expositions. Puis je regarde, j'observe beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens. Si c'est plus les gens qui vous inspirent? Ah oui, c'est les gens. Parfois, ça va être des situations ou des histoires que des gens vont me raconter. Je puise beaucoup dans les histoires d'événements que mes grands-parents ont vécu quand ils étaient plus jeunes, des choses que moi j'ai vécues quand j'étais plus jeune, j'allais passer des étés au chalet de mon grand-père. Il y a plein de choses qui m'inspirent. Là. En jasant avec quelqu'un, je vais accrocher sur des fois juste un mot, puis ça va me donner... l'idée de faire un tableau. Quand j'écoute les nouvelles, j'ai déjà fait un tableau l'année dernière. Le feu, là, une dame noire qui avait 7 enfants, qui avait lancé ses enfants par la fenêtre pour les sauver. J'avais pris un petit break de peinture pour dîner, puis j'étais en train d'écouter les nouvelles, puis ça m'a allumée. J'ai laissé complètement ce que j'étais en train de faire, puis j'ai fait ce tableau-là. Sur l'impulsion du moment, là, parce que ça m'a inspiré vraiment beaucoup. Bien. Des instantanés, des histoires que vous racontez, parce que si vous vous inspirez de choses qui vous sont arrivées, vous racontez des histoires aussi, des situations. C'est ça. Mes tableaux racontent beaucoup d'histoires. Puis j'ai toujours un carnet de notes que t'as comme les écrivains, ils écrivent leurs idées. Bien, moi, je prends des notes parce que dans ma tête, ça tourne tout le temps. J'ai souvent des flashs de tableaux que j'aimerais peindre, puis j'ai peur de les oublier. Fait que je prends
Toujours, toujours des notes. J'ai toujours un carnet avec moi, puis je prends des notes, les couleurs qui me sont venues à l'idée au moment là, où je l'ai pensé, où j'ai eu flash. Fait que j'ai une banque de une banque d'idées là, assez Faites-vous des imposante. croquis Oui, parfois je vais faire aussi? des petits croquis là, très, très. Sommaire. Ah oui, très sommaire, là, mais puis je vais prendre des notes à côté, là, des couleurs, puis de ce que je veux faire, l'idée autour, là, le tricotage que je fais autour, là. Donc, vos œuvres parlent beaucoup. Vous êtes automatiquement, d'après ce que vous dites, impulsive, dans le sens passionné. Ah oui, ah oui, vraiment. Donc, comme je m'apprêtais à vous demander, quand il y a quelque chose qui vous inspire, vous arrêtez tout et vous commencez à Ah peindre. oui, ah oui, ah oui, absolument, c'est ça. Ça peut arriver des fois que j'ai 4-5 tableaux de commencer là, pour vraiment pas perdre mon idée, là. Je vais faire mon croquis, je vais déjà commencer, Un premier jet. oui, absolument, mettre un peu de couleur un peu partout pour vraiment pas perdre mon idée. Je le mets de côté, je continue, puis je fais ça. Je travaille souvent des choses que je faisais pas avant quand je travaillais, puis que je peignais juste les fins de semaine ou C'est les différent. c'est, je faisais juste un tableau, puis je le faisais de A à Z, là. Mais maintenant, là, on dirait que plus que j'en fais, plus que j'ai d'idées, puis là, plus j'ai peur de perdre mon idée. Fait que c'est pour ça que parfois, je travaille plusieurs tableaux en même temps. Donc, l'inspiration manque pas. Non, pas du tout. C'est un stress et une peur qu'on a tous les Oui. artistes, hein, d'avoir Un blanc, une là. panne, là, puis Ouais. c'est que ça vient. En tout cas, là, pour l'instant, là, la source est bonne. Tant mieux. Seriez-vous tenté par une carrière professionnelle? Ah, c'est ce que je fais là, présentement, là. Vous considérez Ah oui, comme ah oui, ah oui, professionnel? absolument, là. Oui. Je fais que ça, puis non, ça va très bien. J'ai une bonne banque de clients, puis j'ai beaucoup de bouche à oreille. Ça compte beaucoup, ça. Oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est plutôt rare qu'on, justement, comme je disais tout à l'heure, d'avoir l'opportunité de vous voir travailler en public. Donc, le public vous dérange? Ben c'est que ça me déconcentre. Ça Ça me déconcentre, hein? déconcentre. Quand je suis vraiment partie dans ma bulle, là, j'ai ma musique, mon rituel, c'est je m'installe mes disques, ma musique, puis je pars avec ça, là, puis garde, vous me parlez, puis des fois, j'entends rien, là. Je suis vraiment partie, là. En avez-vous déjà fait des symposiums? Non. Jamais. Non, 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 non. Puis c'est pas la première fois qu'on me propose ça, on m'appelle encore pour ça. Peut-être qu'un jour, un jour, je serai capable d'être assez concentrée puis que les gens ne me dérangeront pas, là. Mais pour l'instant, non. Je suis trop bien dans mon atelier, là. Puis je suis vraiment un peintre d'atelier. Je ne suis pas un peintre d'extérieur, hein. Ouais, il y a ça aussi. J'emmagasine, oui, j'emmagasine vraiment. J'adore la nature, puis tout ça. Puis si vous voyez dans mes tableaux, parfois Oui. c'est des personnages qui sont à l'intérieur De de la maisons nature. ou avec un fond effacé. Mais j'en ai beaucoup avec des Oui. paysages, mais j'emmagasine les images quand je me promène en auto ou à vélo. J'emmagasine les images, puis je les reproduis. De la façon que moi je les vois sur mes tableaux, mais peindre en nature, non. Peut-être que le fait de peindre en nature, ça habitue aussi à un certain, entre parenthèses, public, parce que les gens passent ou les gens peuvent nous Oui, mais parler, encore là, ça me tandis que dérange là. un oiseau qui passe, Ah il oui? te passe un bourdon, tu sais, là, ça Eh bien. me déconcentre. Bon, vos œuvres font jaser, beaucoup jaser même, à cause de votre style, vos sujets et la façon dont vous en abordez le développement. Ça amène des échanges, des points de vue. Est-ce que l'opinion du public, je ne dis pas pendant que vous peignez, mais après, est-ce que l'opinion du public vous dérange s'il y a des Si ça va critiques? m'influencer? Oui. Pas vraiment. Pas Non. vraiment. Ben, à date, j'ai pas eu de commentaires négatifs. Fait que ça aide beaucoup, Oui. là. Mais non, on dirait que ce que je peins, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment de cette façon-là que je vois les choses, que je vois mes personnages. Puis quand je peins, j'ai une histoire dans ma tête, puis je raconte dans mon tableau. C'est ce qui met de la vie aussi dans un tableau. Voilà, c'est ça. Nous avons eu l'opportunité de travailler avec vous, puis à notre grande surprise, nous avons découvert une femme très impliquée, très déterminée. Tout doit être en ordre.
au niveau, bien balancé. Comment avez-vous appris ça ou est-ce que c'est de nature? C'est mon naturel. Je suis très, très disciplinée. Puis je vous dirais que quand on travaille chez soi, il faut l'être parce que si je me levais le matin puis traînais avec ma petite tasse de café puis commençais à 2 heures de l'après-midi, je ne produirais pas beaucoup, hein? Fait que non, il faut être très discipliné. Puis quand les gens se déplacent pour venir voir mes choses, quand je fais une exposition, je trouve qu'ils méritent d'avoir un bon coup d'œil, que ce soit bien présenté, qu'ils soient bien reçus. C'est la moindre des choses. Puis je fais la même chose quand je reçois mes amis chez moi. Le fait que vous vous impliquez beaucoup dans la présentation de vos pièces, dans vos expositions et tout, vous apportez une part très personnelle et très forte. Oui. C'est un besoin de perfectionnisme ou... Pas tant perfectionniste, c'est que j'aime ça mettre ma touche personnelle aussi pour que ça me représente bien. Pour être certain que c'est moi qui est représenté là, puis c'est des petites attentions parfois que je vais essayer de mettre pour remercier les gens ou qu'ils comprennent bien le message que j'essaie de passer dans mes tableaux, comprendre les histoires. Puis, vous êtes vraiment très attentive au public. Absolument, absolument. C'est la clientèle aussi, finalement. Oui, puis je trouve que ça mérite un respect. Puis, en fait, les clients ou les gens que je côtoie, j'essaie de les... De les respecter, mais les considérer un peu comme je considère mes amis. Fait que je trouve que ça fait une approche peut-être un petit peu plus chaleureuse. Il y a longtemps que vous peignez? Oui, j'ai toujours peint. Le premier tableau, mettons qu'on pouvait accrocher au mur, là. J'avais 14 ou 15 ans à peu près. Oui. Mais c'est sûr que j'en ai fait une certaine série. C'était plus une période paysage que je peignais, là, influencée un peu par ma mère, parce que ma mère, elle peignait beaucoup, beaucoup des paysages. Mmh. Fait que j'ai fait des paysages à cette époque-là. Après ça, quand j'ai élevé ma famille, j'ai eu mes enfants, puis tout ça, j'ai mis ça de côté un peu. Premièrement, j'avais pas vraiment un espace à moi pour le faire. Puis quand tu veux peindre, si tu es obligé de tout serré, tout rangé après, souvent tu ne te donnes pas la peine de ressortir ça. C'est le cas de plusieurs femmes. Oui, c'est ça. Puis, mettons que j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie sur mon travail, puis sur mes enfants, puis tout ça. Fait que, mais j'ai dessiné beaucoup, par exemple. Ça prenait moins de place, moins de temps. J'ai ramassé beaucoup de croquis, puis il y a encore des croquis que je me sers. Là, pour parfois, là, je vais aller regarder ça, puis je ne ferai pas nécessairement ce croquis-là, mais ça va me donner une idée. Tu sais, oui, fait que c'est dans ma banque de... Puis vous aviez déjà cette tendance à votre style qui est oui, déjà... Oui, ça, quand je faisais des dessins, c'était beaucoup des personnages filiformes comme ça, avec des grands coups, des grands bras, des grandes jambes. C'est, dans mes dessins, là, je faisais pas des paysages, vraiment des personnages. C'est ça que j'aimais dessiner. Donc, c'est de ça remonte assez loin. Ah oh, oui, quand même. Et avez-vous toujours travaillé à l'huile? Oui, par exemple, j'ai exploré, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, là, j'ai travaillé l'aquarelle, le pastel, j'ai touché à l'encre un petit peu, un peu de tout, fusain, mais l'huile, là, ça demeure vraiment mon médium préféré, j'adore, puis j'aime l'odeur. Ah oui? Oui, quand je rentre dans mon atelier, là, j'aime vraiment l'odeur que ça dégage, là, ça, déjà en rentrant, je dis « Ah, que ça sent bon ici! » Ça me donne le goût. C'est pas le cas de tout le monde. Ah, regarde, mais... c'est sûr que les solvants puis tout ça, ça c'est moins, mais quand, mes tableaux qui sont en train de sécher, là, c'est. Tu sais, le bûcheron, il va avoir son odeur, hein? Oui. Ben, moi, c'est ça, mon odeur. Eh bien. À ce moment-ci, nous prenons quelques minutes pour relaxer un petit peu. On s'amuse au petit jeu de la vérité qu'on appelle. Ah oui. Ouais, je vous pose des petites questions en rafale puis vous répondez sans réfléchir si possible. C'est parti? Oui. Votre couleur préférée? Le rouge. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont le rouge comme couleur préférée. Et là, est-ce que vous me parlez de la couleur préférée à peindre ou couleur où. Préférée dans ma vie? N'importe où. En général, ça se rejoint. Ouais, c'est ça. Le défaut qui vous agace chez les autres? Chez les autres? Oui. Le manque de respect. Votre mets favori?
Mon Dieu, j'aime beaucoup de choses. Disons que les fruits de mer, les poissons, particulièrement. Votre chanteur ou chanteuse préférée? Au grand désespoir de mon chum, Céline Dion. Vous avez droit. Parce que je trouve que c'est une femme qui est partie loin, Oui. puis qu'elle est allée très loin. En effet. Très, très loin. Puis elle, c'est une femme qui est tenace, qui travaille beaucoup, qui n'a pas peur de l'effort. C'est vrai. Franchement, là. Un rêve que vous aimeriez réaliser? J'aimerais. Ah, ben c'est sûr que quand tu es une artiste, t'aimerais que tes tableaux soient exposés un peu partout. C'est pas mal ça, mon rêve. Un film qui vous a impressionné? August Rush. Vraiment, le tableau qui est derrière vous, là, la violoncelliste qui est dans ce film-là, c'est encore un. Un flash Ah de oui, Sting. absolument. Là, quand j'ai eu fini le film, là, j'étais allée faire mon croquis, puis le lendemain, j'étais sur le tableau. La qualité que vous recherchez chez les gens. Bien, c'est un peu le contraire du défaut que vous m'avez demandé tantôt. J'aime bien les gens qui respectent les idées, les opinions, qui vont avoir une délicatesse pour dire les choses. Un artiste qui vous inspire. Picasso, vraiment, là, c'est un artiste que je trouve qui est passé par plusieurs étapes et plusieurs styles. Puis, je suis allée l'année dernière à Québec voir son exposition et puis, ça m'a vraiment impressionnée. La saison que vous aimez le plus? L'été. Ah oui! L'été. Vous chantez en conduisant? Pas vraiment. Vous aimeriez faire de la politique? Oh, celle-là, vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, pas vraiment. Merci de vous être prêté au jeu. On continue avec des choses un petit peu plus sérieuses. Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la peinture? Vous dites que vous avez commencé toute jeune, puis tout ça, c'est vraiment votre mère, je suppose, qui vous a inspiré? Ben, je vous dirais au tout début là, quelque chose, une activité que j'aimais beaucoup faire quand j'étais jeune. J'ai mes sœurs qui aimaient regarder les petits comiques à télévision. Ben moi, je partais avec mon petit cahier à colorier. Ah oui. Je m'en allais dans la cuisine puis je pouvais colorier pendant des heures. Je voyais pas le temps passer. Vous aviez Les déjà couleurs la déjà très couleur. très jeune là, j'aimais ça beaucoup beaucoup beaucoup. Et puis la pâte à modeler, j'adorais ça. Puis je modelais des choses, puis je mettais ça dans le congélateur, puis je me faisais croire que j'avais fait une sculpture. Mais c'est un début. Ben oui, c'était un début. Fait que c'est sûr qu'après ça, regarder ma mère peindre, c'est certain que j'ai pris des trucs là, à la regarder travailler, puis tout ça. Mais comme tous les enfants, je suis capable tout seul. Fait que j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs, puis j'ai fait mes propres expériences pour. Puis je pense que c'est une très bonne façon de faire pour. Puis par accident, parfois, on va trouver Oui. des choses que les autres connaissent pas ou. Tu sais, c'est comme dans la cuisine, hein? Oui. Les grands chefs, souvent, les Des grands plats, intuitions, oui, c'est ça, c'est des accidents. Oui, c'est vrai. Mais vous avez jamais pris de cours, vous avez toujours appris par Non, vous-même, donc vous oui. êtes Ah autodidacte oui, finalement. absolument. Oui, pure laine. Et ce style-là, vous l'aviez déjà finalement toute petite et vous l'avez développé. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore du cheminement à faire? Ah oh oui, ben je remarque là, les premiers tableaux que j'ai faits, les couleurs. Oui, je vois, je remarque là, quand je regarde mon portfolio, là. Il y a une certaine évolution là, que je remarque, puis que les gens me disent aussi là, qui ont vu mes premiers tableaux avec la dernière production que je suis en train de faire. Oui, Est-ce que ça va en simplifiant plus ou Hmm. parce que même vos paysages, vos visages, c'est des lignes assez simplifiées finalement. Oui. Est-ce que ça s'accentue dans ce sens-là? Non, pas vraiment. Non. C'est plutôt dans les scènes, puis tout ça. Je vais mettre de plus en plus de détails. J'aime OK. ajouter beaucoup, beaucoup de choses, que les gens ont beaucoup de choses à regarder. OK. Quand je fais un genre de portrait,
Ça, c'est plus simple. T'sais, je ne mets pas beaucoup d'éléments autour pour que vraiment le personnage, c'est vraiment ce personnage-là que je veux qu'il prime dans mon tableau. Mais quand je mets beaucoup de personnages, je vais accentuer beaucoup les détails autour pour que ce soit vraiment une scène qui parle, puis qui raconte une histoire. Vous êtes une des premières artistes locales à avoir exposé au Musée minéralogique et minier. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Quelle a été l'approche à ce moment-là? Est-ce que c'est vous qui les avez approchés? Oui, absolument. Je suis allée. Je cherchais. J'avais déjà une trentaine de tableaux de ramasser chez moi. Puis là, j'ai dit, il faudrait bien que j'expose ça en quelque part. J'avais approché la station des arts. Et étant donné que moi, j'habitais à Sainte-Praxède, j'étais pas vraiment dans L'arrondissement dans immédiat. l'arrondissement immédiat. Fait que j'étais déçue un petit peu. Fait que là, j'ai dit, oh, je vais aller voir à Maison de la Culture. Puis vu, mes tableaux sont quand même assez grands. Oui. Puis la petite vitrine, mes tableaux rentraient pas là. J'ai dit, je vais prendre une chance, je vais au musée. Je me rends là, mais j'ai été reçue par M. Martin Villeneuve. Puis j'ai montré quelques photos, puis tout ça. Il a semblé intéressé. Il dit, faudrait que tu m'apportes ton portfolio, puis tout ça. Puis j'ai comme... Je suis à donner au moment où le comité de sélection se réunissait le lundi, là, coup de chance. Avec, je suis remontée chez moi, j'ai été chercher mon portfolio, puis j'ai apporté des tableaux. J'ai tout laissé ça là. Et le comité de sélection a trouvé ça à leur goût, puisqu'ils m'ont demandé d'exposer. Il y a eu des bons commentaires. Oui, absolument. Très bon commentaire. Fait qu'on a installé ça, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, vous avez aimé l'expérience? Ah, j'ai adoré l'expérience, puis le personnel qui travaille là, c'est vraiment des gens professionnels. Puis je me suis fait bien des amis. Monique, la secrétaire en bas, là, c'est une personne tellement chaleureuse, C'est puis ça, oui, tellement fine. sympathique. À Noël, je suis allée lui porter du sucre à crème que j'avais fait le matin même. Bon. Elle était bien contente. Il y a peu d'endroits à Thetford où les artistes peuvent vraiment exposer. Bien là, la Station des Arts, je trouve que c'est Il y a une une. ouverture, oui. Oui, c'est bien. C'est sûr que si on avait une plus grande salle, puis faire des expositions peut-être communautaires avec plusieurs artistes, puis exploiter ça, cette formule-là d'exposition, puis inviter les gens, puis je trouve que ça serait un bel endroit, puis une belle façon pour les artistes de présenter leur nouvelle production. Je trouve que ça serait intéressant si on pouvait avoir un beau local pour ça. Ça prend toujours à ce moment-là, c'est des initiatives qui doivent venir souvent des artistes eux-mêmes. Oui, mais il faudrait avoir un endroit aussi. Oui. Moi, je serais prête à faire les efforts, puis je suis quand même assez bonne pour organiser. J'en doute pas. Fait que, puis j'ai pas peur de l'effort, puis du travail. Fait que, puis surtout si on peut se mettre tout le monde ensemble, là. Moi, je trouve que peut-être que ça serait une formule qui serait intéressante, mais il faudrait avoir un local, quelque part, qui pourrait se prêter à ça, là. Parce qu'il y a une question d'éclairage aussi, Beaucoup, hein. oui. C'est Puis, sûr que ça prend des conditions c'est adéquates. ça. Puis aussi, bien, il faut que les artistes soient disponibles parce que c'est préparer une exposition, Oui. il faut aussi les déplacements. Puis il Oui. faudrait, tu sais, mettons, je sais pas, moi, tu demandes à un artiste, là, il est en train de préparer une exposition, ou il y a déjà, ses tableaux sont déjà exposés ailleurs. C'est ça. Ça C'est prend une beaucoup, ça prendrait disponibilité. une bonne organisation, puis une bonne complicité entre les artistes, là. Pas toujours évident, Oh, mais... moi, regarde, non, je suis ouverte à ça beaucoup. Ah! Ah oui, ah oui, ah oui. Peut-être que on pourrait à un moment donné y Bien sûr, revenir. bien Tout sûr. artiste rêve d'accomplir quelque chose de spécial. Est-ce que vous avez un rêve spécial, vous, en tant qu'artiste? Oh, ben c'est sûr. Aller outre-mer, ça, j'aimerais bien ça. Ah! Ah!
C'est beaucoup, beaucoup ah, d'artistes. Oui. Ça, c'est un très, très grand rêve, là, mais je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Là, peut-être que mes tableaux voyageront puis que moi, je resterai ici. Là. Ça, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses peut-être plus faciles. Mais des fois, à force de volonté, on réussit beaucoup oui, de choses. C'est ça. Est-ce que vous pensez que le Québec offre certaines possibilités pour faire connaître les artistes? Je suis à essayer d'avoir des contacts, puis tout ça, puis d'essayer de voir qui peut nous aider, puis tout ça. Fait que ça fait pas assez longtemps que je suis vraiment dans le milieu présentement pour avoir ces contacts-là, là, mais je travaille fort, puis je fais beaucoup, beaucoup de recherches. D'après ce que vous nous avez raconté un petit peu sur votre façon d'être et votre façon de travailler, est-ce que vous aimeriez travailler avec un agent? Je suis pas sûre. Ben peut-être. Là, présentement, je fais mes choses pas mal par moi-même. Là, j'y arrive. C'est sûr qu'à un moment donné, si ça allait plus loin, si ça va plus vite, puis que ça déborde, puis que je suis plus capable de fournir, on dit on a juste deux bras, hein, puis juste une tête. Fait que peut-être à un moment donné, ça pourrait être une éventualité. Surtout outre-mer. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut voir vos œuvres actuellement quelque part? Oui, je suis exposée présentement ici à la Galerie d'art et Mondet. Je suis à la Galerie d'art du Château Frontenac à Québec. Ah oui? Mm-hmm. C'est bien. Et à quelques endroits à Sherbrooke que je ne peux pas nommer là, présentement oui. parce que c'est en train de se placer. Okay. Mais non, ça va très, très bien. Et toujours à votre atelier, vous êtes disponible? Ah oui, absolument. Les gens qui veulent venir me voir, il n'y a pas de problème. C'est sûr que sur rendez-vous, parce que pour que je prévoie un moment là, pour les recevoir, pas arriver à l'improviste chez moi là, pendant que je suis en train de travailler. Là. Mais vous avez toujours une réserve de tableaux. Oui. Parce que à la façon que vous travaillez, je pense que ça, oui. ça doit produire quand même assez. Oui, mais il y en a que des fois, je n'ai pas le temps d'exposer. Là. Ils partent les tout gens, de suite. Oui, les gens m'appellent et me demandent des... Oui, c'est, je suis contente. Il y a des gens qui m'appellent, tu me ferais-tu telle chose, des commandes. Oui, c'est ça. Puis là, je dis, bien, quand je vais le sentir, si vous n'avez pas de délai, moi, je ne travaille pas avec des délais, là, ça me met de la pression, puis ça me coupe l'inspiration, là. Mais les gens me demandent des choses, puis ils me font confiance. Fait que déjà là, c'est très rassurant. Fait que quand je le sens, puis quand je fais un croquis, des fois, ils viennent voir le croquis, après ça, j'exécute le tableau. C'est déjà terminé. Julie Roy, merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Bon succès dans vos futurs projets. Ça a été une belle expérience. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres.